Tout le monde, ici Karyang61 et nous voici pour une nouvelle vidéo Rayman Legend sur Xbox One. Donc nous allons voir ça tout de suite, ce que ça donne. Non, je voulais pas aller là-dedans, excusez-moi. Il y a plusieurs tableaux. Il y a plusieurs tableaux et les tableaux donnent à des niveaux de plusieurs difficultés, on va dire. Vous pouvez voir les crânes qu'il y a juste là. Donc plus on monte et plus ça commence à être dur. Et donc voilà. Moi j'ai commencé à tester. J'ai commencé à tester le jeu et il est vraiment sympa. Franchement, il est beau. Il est très très beau. Et il m'a bien fait galérer à certaines missions, sincèrement. Donc voilà, nous allons choisir une mission qui peut être sympa. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors vous voyez, là, c'est les tableaux. Les tableaux qu'il y a là, c'est des niveaux. C'est des niveaux, donc c'est des niveaux, c'est des mondes. Donc on va prendre... Voilà. Donc c'est parti. Donc alors là, il y a une petite bestiole, je sais pas comment il l'appelle, qui vient nous aider en fait. Et avec le bouton rouge, et bien en fait, il va y avoir des actions. Si vous regardez là, elle tape, comme ça je peux passer, vous voyez. Ah, là je me suis fait tuer. Mais c'est pas... Il y a des sauvegardes, on va dire. C'est des sauvegardes de checkpoint. Donc c'est pas trop dur. Regardez là, vous voyez, là, il m'a tué. Je pouvais pas passer. Je vais demander au petit bonhomme de faire une action. Regardez, il rigole. Voilà. Voilà, donc je rentre. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit... Le petit bonhomme, là je peux pas passer, donc en fait le petit bonhomme va m'aider à passer, il va couper la corde, voilà. Donc vous devez sans doute vous dire, c'est quoi ce personnage là avec lequel il joue? Et en fait c'est un personnage que j'ai gagné durant le jeu. Non, c'est pas un personnage gagné, en fait c'est un personnage qui est customisé, parce qu'à l'origine c'est un personnage qui est roux. Les cheveux rouges, et qui a une épée et tout, une hache je crois, et en fait c'est une sorte d'équipement que j'ai gagné pour ce personnage là. Donc je vais faire une petite vidéo de plusieurs petites maps. Bon, c'est pas dit que je meurs pas hein, dans mes maps, hein, parce que
Et des passages, c'est vraiment super chaud. Et il y a certains endroits où j'ai dû recommencer une quinzaine de fois pour réussir à faire ce que je voulais, quoi. Donc là, là je vais mourir, voilà. Là je me suis, j'étais mal pris en fait, il fallait que j'appelle mon bonhomme. Voilà, hop, il avance ce truc, comme ça je peux passer. Voilà. Et dans les mondes, en fait, il y a des petits bonhommes à récupérer. Et les petits bonhommes, c'est ce qui vous permettra, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir des nouveaux tableaux. En fait, les petits bonhommes qui sont en bleu là, moi, je les ai tous déverrouillés. Mais en fait, il faut que vous les trouviez ou les libérez. Et en fait, plus vous aurez de petits bonhommes comme ça, en fait, et plus vous allez pouvoir déverrouiller des tableaux. Qui pourront vous faire continuer l'aventure. Donc, alors, nous avons fait ce tableau-là. Donc, nous allons. Nous allons continuer sur un autre. Donc, il y a des boss. Il y a des boss sur chaque niveau. Là, ici, c'est un boss. Je vais pas le faire parce que je préfère si une personne qui regarde la vidéo tombe sur la technique pour pouvoir le tuer. Je préfère qu'elle le voie, qu'elle le fasse d'elle-même. Donc, je vais faire une autre vidéo, une bonne vidéo, mais un autre tableau. Plus cool. Avec de la musique. Et donc c'est parti. Voilà. J'aime vraiment ce système de musique en même temps que le niveau. Je trouve que ça donne un moi je trouve que c'est quelque chose qui me fait vraiment, que j'aime vraiment beaucoup. C'est, je trouve que voilà, ça donne du punch, ça, je sais pas, moi ça me motive, moi, ce genre de petits niveaux sympas. Et donc dans chaque niveau,
Dans chaque niveau, en fait, il y a ce petit truc, en fait. Il y a un boss, et puis le dernier niveau, c'est un niveau avec de la musique. Nous allons faire celui-là. Allez, c'est parti. Je vais vous faire montrer les premiers niveaux, hein, je vais pas faire tous les niveaux. Je fais les premiers niveaux de, on va peut-être pas de chaque truc, parce que vraiment ça va peut-être une vidéo trop longue sinon. Mais voilà, je vais vous faire montrer comment le jeu est vraiment, je le trouve très très beau. Quand je joue à ce genre de jeu, ça me fait vraiment repenser un peu aux anciens jeux auxquels j'ai pu jouer quand j'étais gamin, un peu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les Rayman Legends, les Rayman Origins. Et vous voyez là, il y a des petits bonhommes à sauver là, ils sont juste en bas là. En fait, à l'origine ils sont bleus, mais moi vu que je les ai sauvés, ils sont de couleur jaune. Voilà, j'ai fini le niveau. Donc plus vous avez de. Plus vous récupérez de petits. Je sais plus comment ils appellent ça, c'est ces petits bonhommes jaunes là. Et plus vous avez de la possibilité de gagner des nouveaux personnages. Alors vous avez des soumissions. En fait, c'est des missions secondaires, mais qui vous permet de récupérer des minions. En fait, dans un temps imparti, style le niveau, vous devez le faire en 30 secondes, ou 40 secondes, ou 50 secondes. Comment dire, si vous récupérez 3 minions, et ben c'est très bien, comme ça vous fait gagner 3 minions. Et le but est de finir le niveau le plus rapidement possible. Et c'est ce genre de mission qui est très dur à réussir quand on commence à vraiment aller loin, on va dire. Donc bah voici le niveau de musique. Mais comme je vous dis, c'est pas sûr que je gagne tout de suite. Je peux perdre. Hein. Allez, là j'ai perdu. Donc voilà, on reprend.
Et franchement, je trouve vraiment les musiques excellentes. Voilà, le niveau est fini. Je vais vous faire montrer la vidéo de là où qu'il faut comment dire chercher les voyez, là j'ai perdu. Donc voilà, là c'est plus tendu, hein. Vous pouvez voir, il faut vraiment être concentré. Voilà, donc c'est pas dit que je réussisse, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec de la concentration. Là je parle, donc je pense que je vais peut-être pas être concentré comme je jouerais normalement. Mais je vais essayer de faire l'effort. Ah. Donc vous voyez en haut à droite, en fait, il y a le temps. Il y a le temps et quand le chronomètre arrive aux secondes, style 40 secondes, et ben il y a un mignon qui s'envole en fusée et ben, il vous en reste plus que deux. Et au fur et à mesure, si vous en reste plus que zéro, bah vous avez perdu quoi. Ah zut! Bon, allez. On va essayer de bien jouer. Et celle-là, on va dire que c'est une simple, hein. Donc ça vous donne un peu l'idée de commencer les autres, hein. Ah zut! D'habitude, lui, il me tape pas. Donc, si vous voyez que je suis trop lent, au pire, vous avancez la vidéo, hein, ça sera peut-être aussi bien pour vous. Ah bah là, je me suis planté, mais sévère, hein. C'était vraiment. Voilà. Voilà, c'est pas dit que j'y arrive là. Hein. Parce que c'est vraiment tendu. Voilà. Vous avez vu ce qu'il faut éviter? C'est vraiment tendu. Hein. C'est pas. C'est vraiment. Comme je dis, il faut vraiment rester concentré sur le jeu. Et regardez vraiment partout. Partout, partout où que ça sort, où le feu arrive et tout. Bon, je vais faire mon dernier essai et puis après je vous refais une petite vidéo de, enfin pas une vidéo mais un autre tableau d'un autre niveau. Bon, là c'était parce que je parlais en même temps donc j'étais pas concentré. Donc allez, on va essayer d'être concentré.
Voilà. J'ai été les sauver. C'est bon, j'ai réussi. Voilà. Donc, nous quittons. J'ai réussi à vous faire montrer ce petit niveau. Alors, celui-là. Je vais peut-être pas faire celui-là. Au pire, je vais faire celui-là. Alors, on va faire celui-là. Alors. Bon, bah, l'autre m'a lancé un sort de poule. Hein. Je suis une poule maintenant. Et donc, bah là, j'ai mon petit ami qui vient m'aider. Hop. Ça j'ai fait. Tac. Alors. Ah, ouais, je me suis fait tuer. Ah là là, bah, je sais pas ce que je regardais là. Ah oui, donc là il faut... Ah bah non, pas ça. Bon bref, le niveau je pense pas que je vais le terminer. Voilà, ça vous donne un petit peu... ça vous donne un peu le... Bah, ce que ça peut donner, ce que ça donne. Hein. Sortez un niveau. Donc là nous allons passer au niveau... musique. Bon là sur cette musique là je suis souvent bon.
C'est ici que je meurs beaucoup. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais Ah là là, à chaque fois je me fais avoir. C'est dingue ça. Donc, comme je dis, c'est vraiment pas facile, hein. Faut vraiment, c'est quoi à dire, mais faut avoir du réflexe pour ce genre de jeu. Ah là 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 là, et on est vite parti en vrille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit niveau? On va faire celui-là. Ah ouais, donc ça se passe sous l'eau. Alors là, ça fait un peu. Donc, vous voyez, si vous rentrez dans la lumière là, en fait, vous vous faites griller. La lumière va devenir rouge. Regardez, regardez. Attendez. Voyez, la lumière est devenue rouge, vite fait, hein. Sinon, on se fait griller de toute façon. Donc, il faut éviter la lumière. Voyez, hop. Tac, voilà. On passe en dessous. Regardez, hop, faut passer comme ça. Tac, voilà. Wow. Tac. La petite musique, moi je la trouve sympa, la petite musique, on dirait un petit peu James Bond et tout, ça fait un peu ça je trouve, ce côté James Bond. Je trouve que c'est sympa ces petits niveaux des fois qu'il faut vraiment prendre son temps pour pouvoir passer quoi. Il y a certains niveaux c'est vraiment tendu, c'est vraiment faut être speed et tout. Voilà, j'ai fini le niveau.
Je crois que c'est tout. Il y a le niveau de musique, mais ah, il est pas. Enfin, il est pas mal, mais je sais pas. Il est un peu long, je trouve. Il y a celui-là. Alors ça, c'est le dernier niveau qui m'a fait terminer bah, le jeu, parce que j'ai terminé le jeu. Dragon Slayer. Ah oui, Dragon Slayer, c'est. Eh ben, il est chaud, le Dragon Slayer. Il m'a fait. Je suis mort beaucoup de fois. Donc, nous allons faire le premier tableau. Allez. Alors là, il y a encore notre pote qui va venir. Comme ça, il nous évite le feu. Hop. Ah bah là oui, en fait c'était l'inverse. Fallait que je j'aille en dessous et pas au-dessus. Voilà. Donc là, faut gérer. Ah là là, bon bah, je suis mort. Ah bah. Alors des fois, il y a un petit bonhomme qui vient et il nous donne des pouvoirs. Et là, il me donne des gants. Des gants de boxe. Bon, là, je suis mort. Mais voilà. Oh, c'est pas possible, lui. Ah, oh, mais t'as fini, toi? Ah, oh, mais moi, je me tue tout seul. Salut, au revoir. Voilà. Oh, yeah. Voilà. Ah là là.
Hop. Ah là là. Ah là là, j'ai dit de repartir à mon bouclier. Merde. Donc vous voyez, c'est pas simple, hein. Il y a des passages où voilà quoi, c'est on pourrait croire que c'est pour on pourrait croire que c'est pour les enfants ou quoi que ce soit. Non, je vous assure, ça peut très bien être quelqu'un de mon âge. Bah, moi j'ai 30 ans, mais je peux vous jurer que voilà, c'est oh là là. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Oh là là, j'étais trop près. Bah allez, on va essayer. Oh bah je suis mort. Bon bref, voilà. Ça, c'est le niveau que je ne vais pas finir, parce que sinon je pense que je vais mourir pas mal de fois. Bref, nous allons tester, faire voir l'autre, celui-là. Demon Slayer, c'est avec de la musique. C'est niveau musique. J'avais peur de pas mourir parce que je suis mort je sais pas combien de fois dans ce niveau. Et je peux dire que c'est vraiment chaud ce niveau. Regardez, c'est à cet endroit là en fait. J'arrêtais pas de mourir. Je vais essayer d'y arriver, mais c'est pas dit que j'y arrive. Ah si, c'est bon. Voilà. Le niveau de musique. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de Rayman, légende. Je pense avoir montré l'essentiel. Donc il y a aussi des sortes de tournois dans ce jeu en fait. En fait vous avez un multi. Et en fait le multi c'est challenge.
Et vous avez la possibilité aussi de jouer à des anciens jeux de Rayman, le tout premier, Rayman Origin. En fait, vous allez là, en fait, et bah, vous avez la possibilité de jouer au premier Rayman. Vous avez beaucoup de niveaux, vous voir, là, il y a pas mal de niveaux. En fait, si vous allez dans 1, en fait, vous voyez, il y a plusieurs pareils. Il y a pareil, il y a beaucoup de tableaux. En fait, c'est un jeu dans un autre jeu, en fait. Bah, c'est les niveaux de Rayman, hein. Donc on va essayer celui-là, au pire. On va vous en mettre un. Voilà. Voilà. Et comme je vous dis, c'est le tout premier Rayman Légende. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Alors moi ce que j'aime bien c'était les soufflets. Je sais pas si je peux souffler sur... Voilà. C'est assez marrant je trouve. Hop là. Regardez la tête de notre mouche. Regardez les yeux qu'a fait. Alors, je sais pas comment je peux en lancer là. Je sais pas si on peut manger des... Non. Enfin, c'est sympa, c'est marrant, je trouve. Ah oui, je crois que je pouvais bouffer les bombes. Exact. Alors là, c'est un boss, en fait. Oh la vache, il m'a bouffé! Je me souvenais pas qu'il pouvait bouffer. Bah c'est bon, je l'ai tué. Voilà, on est arrivé. Hop.
j'ai fini le niveau. Voilà. Donc je vais vous faire montrer vite fait, c'est le mode challenge. En fait, le mode challenge, c'est comme je vous dis, en fait, il y a chaque jour ou chaque semaine, je sais pas, il y a des nouveaux challenges en fait. Et c'est celui-là qui va le plus loin possible dans le niveau. Et en fait, ça nous rapporte des points ou des cadeaux et trucs comme ça. Et donc, faut que j'aille le plus loin possible. Et en même temps, on peut voir les adversaires. En même temps. Voilà, j'ai pas été super loin, mais bref. J'ai fait 89 mètres. On va essayer de faire pulse, on va faire un peu plus quand même. Ah bah là je suis mort. Voilà, j'ai fait 267 mètres 36 et donc bah, j'ai une coupe d'argent. Et donc voilà, il y a une certaine date, j'aurai ça me le dit, mon score, voilà. Et dans 5 heures, le tournoi s'arrête. Ce tournoi-là, je veux dire. Et donc ça va me dire, voilà, tu es sur le point de gagner une coupe. Attention de ne pas te la faire piquer parce qu'en 5 heures, il est possible qu'il y ait des gens qui me dépassent. Donc voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, tchuss!